Qu'est-ce que l'analyse du risque politique? L'analyse du risque politique est une pratique entre le monde des affaires et la science politique. Au commencement, elle se développe en se penchant sur la dette des États, la solvabilité des États. La question était de savoir s'ils avaient une capacité à payer leur dette publique et le monde des affaires essayait d'évaluer ces États. Progressivement, la question des investissements s'est posée pour le monde des affaires lorsqu'ils se projetaient à l'étranger, dans des pays en développement notamment, et ils voulaient s'assurer que leurs investissements étaient sécurisés. Pensez à la nationalisation d'une compagnie étrangère par un régime autoritaire ou des soucis d'expropriation. Donc tous ces enjeux-là vont devenir des risques politiques apparents pour ces acteurs qui vont vouloir avoir des analyses pour pouvoir évaluer les risques assujettis. Ces investissements sont pensés à travers la notion de risque pays. La dimension politique n'est qu'une des dimensions. Néanmoins, progressivement, la littérature s'est développée et maintenant l'analyse du risque politique constitue une vraie pratique, un champ à part entière. Et de nombreux cabinets de conseil se développent pour conseiller des acteurs publics et privés, que ce soit des ministères, les ministères des Affaires étrangères ont recours à ces analyses, mais aussi des acteurs privés, des fonds d'investissement par exemple. La pratique s'est même étendue au monde humanitaire, donc on voit même que certains autres acteurs ont recours à cela pour pouvoir sécuriser leur personnel, par exemple dans des pays plus ou moins à risque ou instables. Le pari que nous faisons dans cet ouvrage, c'est d'établir un pont entre, ou un dialogue entre le monde de la pratique et le monde de la recherche et de l'enseignement universitaire. Nous citons le fameux Monsieur Jourdain de Molière qui faisait de la prose sans le savoir, et nous disons que c'est un peu vrai aussi de l'analyse du risque politique, dans la mesure où beaucoup d'analystes professionnels du risque politique font de la science politique, souvent sans le dire ou sans avoir été formés en sciences politiques. Et à l'inverse, beaucoup de politologues font de l'analyse du risque politique sans nécessairement l'assumer comme tel. Prenons pour exemple les relations internationales, un sous-champ important de la science politique. On s'intéresse beaucoup aux impacts géopolitiques qui peuvent modifier, par exemple, les risques qui pèsent sur un État ou un gouvernement. En analyse des politiques publiques, nous nous intéressons beaucoup à la réglementation. Encore une fois, la réglementation est porteuse de risques politiques. Si on s'intéresse à la sociologie politique, on s'intéresse aux élections, aux mouvements sociaux. Ce sont des variables qui influencent aussi le risque politique. Quels sont les risques politiques auxquels il faut faire face? Un risque politique, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité qu'un événement de nature politique, une élection, un enlèvement, une forme de corruption généralisée puisse avoir un impact dont il faut mesurer l'ampleur sur des personnes ou des organisations. Donc, ça peut être un impact économique, mais ça peut être un impact évidemment humain également. Alors, quels sont ces risques politiques? Il y en a beaucoup. Adib l'a mentionné. Au début, on pensait souvent à des risques politiques pesant sur des entreprises ou sur le monde économique. Par exemple, le risque d'une expropriation ou le risque de faire face à la corruption dans un pays étranger. Mais de plus en plus, on élargit la focale du risque politique lorsque des Canadiens, des Canadiennes vont en voyage à l'étranger. Ils et elles peuvent consulter le site du gouvernement du Canada qui leur indique quels sont les risques politiques et autres associés à une destination. Lorsque des demandeurs d'asile se présentent devant la commission sur le statut du réfugié, des réfugiés pardon, au Canada, on évalue quels sont les risques qui pèsent sur leur intégrité physique dans le pays d'où ils sont originaires. Et ça, c'est aussi de l'analyse du risque politique. Et évidemment, il y a des risques politiques qui sont particulièrement intéressants pour les politologues, mais aussi les professionnels du risque politique. Et ce sont les élections, puisqu'à chaque fois qu'il y a une élection, il y a des risques politiques qui pèsent pour les entreprises comme pour les individus, parce qu'il y aura de nouveaux programmes qui seront mis en œuvre, il y aura de nouvelles lois qui seront adoptées, de nouveaux règlements. Ça montre que le risque politique, ce n'est pas nécessairement négatif. Une élection, ce n'est pas en soi une mauvaise chose, mais elle est porteuse toujours de risques politiques. Comme énoncé par Frédéric Mérand, il y a de très nombreux risques politiques. Dès lors, il convient de reconnaître, de considérer une ontologie plurielle à tous ces risques, à savoir, par exemple, l'analyse de schémas électoraux ou de processus politiques
avec des tendances bien définies, vont être faits avec un certain niveau de certitude, avec une capacité à dégager des tendances, alors que dans d'autres types de risques politiques comme la menace terroriste, nous sommes face à un objet plus délicat à cerner et auquel cas les analyses vont aussi être différentes et les outils mobilisés aussi. Quelles sont les théories et les outils à notre disposition pour faire de l'analyse du risque politique? On peut mobiliser tous les champs de la science politique, des relations internationales à la politique comparée, en passant par l'administration et les politiques publiques. Les outils peuvent relever de l'analyse quantitative ou de l'analyse qualitative. Dans l'analyse quantitative, on retrouve les indicateurs mobilisés par les agences de notation, par exemple, ou par des centres de recherche qui cherchent à dégager des grandes tendances en étudiant des processus historiques très longs ou des études électorales, par exemple. De l'autre côté, il y a l'analyse qualitative et il y a de très nombreux outils comme les matrices de risque qui permettent de cartographier les risques, qui permettent d'avoir un visuel sur les risques à considérer pour un investisseur, par exemple. Il y a aussi d'autres outils comme les scénarios, la veille ou encore la méthode de Delft qui permettent en fait d'avoir recours à des consultants et à leurs analyses pour anticiper ce qui va advenir dans le futur pour les acteurs intéressés. Des enquêtes ethnographiques sont bien sûr un classique aussi de l'analyse du risque politique, c'est-à-dire des enquêtes un peu plus de terrain pour pouvoir avoir le pouls de la situation dans des pays particuliers, ou des enquêtes qualitatives de type sociologie historique, à savoir une volonté d'essayer de dégager des tendances dans l'histoire d'un pays, par exemple l'histoire de coups d'État au sein de pays comme la Thaïlande ou la Birmanie, essayer de voir les rapports entre les différents acteurs, les jeux relationnels se passant sur le terrain. Et encore là, le dialogue entre les milieux de pratique et le milieu de la recherche universitaire est fécond, parce que si les praticiens sont très friands de visualisations, de schémas qui sont souvent puissants, faciles à communiquer, qui leur permettent de convaincre leurs utilisateurs de la pertinence de l'analyse du risque politique, les chercheurs sont souvent un peu prudents face à ces mêmes schémas, face à ces mêmes visualisations. Il y a des recherches qui sont très poussées en sciences politiques, autant en méthode quantitative qu'en méthode qualitative, pour essayer justement de s'assurer que, par exemple, un indicateur que nous utilisons est aussi valide que possible. Et donc là, on trouve que le dialogue est utile parce que les praticiens peuvent, en dialoguant avec les chercheurs, s'arrimer à ce qui se fait de mieux, entre guillemets, dans la recherche universitaire. Mais à l'inverse, les chercheurs et les étudiants, les étudiantes aussi universitaires, peuvent apprendre des praticiens lorsqu'il s'agit de mieux communiquer ces résultats et de les rendre pertinents pour des utilisateurs qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur du milieu universitaire. Et c'est d'ailleurs ce que nous entendons par la notion de concevoir les futurs que l'on utilise dans l'ouvrage. Concevoir les futurs implique de réfléchir à nos outils, d'essayer d'améliorer cette pratique et d'être le plus analytique possible dans nos tentatives de cerner le futur, et en même temps reconnaître nos limites, comprendre les effets performatifs et normatifs de nos analyses et avoir une conscience que nos analyses peuvent impacter les futurs en guidant les décideurs et par là même atténuer les risques.